De nouvelles informations sur la croissance de la demande en matière logistique en Chine, avec un ralentissement constaté au cours des 2 premiers mois de l'année en raison de la saison de vacances de la fête du printemps. Le volume total du secteur logistique s'est maintenu à 31 000 milliards de yuan de janvier à février, en hausse de 5,3% en glissement annuel. Cela représente un demi-point de pourcentage de baisse que la vitesse de croissance l'année passée. En dépit de la performance globale modérée, les chiffres ont montré que la logistique en lien à la consommation avait continué à progresser plus rapidement que l'année dernière. Un officiel déclare que cela témoignait d'une amélioration dans la structure du secteur logistique de Chine. À juger sur les 2 derniers mois, la demande a ralenti. Cependant, la structure a montré une claire amélioration. La demande des industries lourdes et chimiques a baissé de façon significative, mais la croissance est demeurée rapide pour les biens de consommation et les produits de haute technologie.